Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Très bien, merci. Oui, je vais bien, merci. Moi, c'est Bruno de la chaîne Monsieur Yapo. Et vous? Moi, c'est Monsieur Adia Olivier. Monsieur Adia. Si on vous donne 1 million, dans quoi vous allez investir? Ben, il faut dire, à Abidjan, il y a beaucoup de projets dans la restauration. Il y a la restauration, les espaces maquis. Et aussi dans le transport, par exemple, l'achat d'un tricycle qui peut transporter la marchandise des commerçants. Voici quelques projets qu'on peut faire. Aujourd'hui même avec les cabines aussi, on peut quand même créer des cabines qui peuvent être quand même porteurs de choses. Il y a aussi les espaces de transfert d'argent qu'on peut créer aussi avec les... Mais de tous les business que vous avez cités là, quel est le plus rentable selon vous? Aujourd'hui, c'est la bouffe, hein. C'est la restauration à Abidjan. La restauration marche, la boisson marche. Donc, les espaces maquis, les restaurants, en tout cas, c'est le mieux business, je pense. Ok, d'accord. Merci bien. Merci, monsieur. Et bonne suite de journée. Merci bien. Bonjour, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien. Ok. Moi, c'est Bruno de la chaîne, monsieur Yapo, et vous? Moi, c'est Timité Bintou. Ok, Timité Bintou. Si on vous donne 1 million, dans quoi vous allez investir? Bon, je vais investir pour faire un commerce comme ça. Et oui, commerce. Le commerce de quoi? D'habits, chaussures, sacs à main. Donc vous allez investir les 1 million dans le commerce. Oui. Comment vous allez répartir? Vous pouvez nous expliquer les différentes étapes? Bon, disons si je dois louer un magasin de 100 000, je loue le magasin et paye un peu de tout. C'est d'acheter la peinture, acheter la peinture. On a pas devoir maquiller le magasin, l'habiller bien bien. Maintenant, je vais faire les achats à jamais maintenant pour acheter les joueurs, des choses maintenant. Est-ce que ce business est rentable? Bien sûr. Ok, d'accord. Ça marche. Merci bien. De rien. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Ok, moi c'est Bruno de la chaîne Monsieur Yapo, et vous? Moi c'est Aka Kruizak. Ok, monsieur Aka, si on vous donne 1 million, dans quoi vous allez investir? Je vais investir dans une société qui est appelée AIM, qui est une société qui est déjà reconnue en Philippines et par 200 autres pays. Voilà. Et vraiment, cette société-là, vraiment donne beaucoup aux gens et ça permet aux gens de devenir riches et ça permet aux gens aussi vraiment de prendre conscience, voilà, et de ne plus regarder à la pauvreté, quoi. Désormais, de penser à leur futur. Voilà, c'est ce que moi-même j'ai eu à penser déjà et j'ai investi dans cette société-là et déjà même je travaille là-bas. Voilà. Mais la société opère dans quel secteur? Dans la santé. Ah, dans la santé, ok, d'accord. Dans la santé. Ok, d'accord. Ça marche. Dans la santé. Et c'est rentable? Oui, c'est rentable. C'est rentable. Au bout de combien de temps on a un retour sur investissement? Quand on investit dans cette société-là? Bon, après trois mois. Ok. Et c'est quoi le pourcentage de bénéfices? Si vous investissez par exemple les 1 million, là, combien vous gagnez en retour? Bon, en tout cas, après avoir gagné les 1 million, là, non seulement je vais gagner encore les 1 million, puis je vais encore gagner encore des bénéfices. Voilà, je vais gagner des bénéfices. Raison pour laquelle je vais investir dans ce domaine-là. Et je crois qu'après avoir investi dans cela, je vais avancer. Ok, d'accord, ça marche. Merci. Ok, donc bonne soirée à vous. Bonne soirée. Ok, bonne soirée à vous. Okay. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Ok, moi c'est Bruno de la chaîne Monsieur Yapo, et vous? Moi c'est Ulurich. 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 Ok, d'accord. Si on vous donne 1 million, là maintenant, dans quoi vous allez investir? Bon, ça me donne un bâton. Oui. Voilà, nous on appelle ça un bâton. Mais tout. Si on dit ça, ça me donne ça maintenant là. Je vais pour mes colis. Mais mes colis sont bloqués. Actuellement les frontières sont fermées. Je vais chercher mes colis. Je vais chercher ça pour tirer en magasin à Sikoji pour qu'ils puissent vendre mes trucs. Il y a très longtemps, il y a plus d'un an, c'est là-bas. Donc c'est ça actuellement là. C'est là, la VB, t'as dit ça. Puisqu'il y a là-dedans. Ok, vous vendez quoi? Roller. On appelle ça patin. L'espoir église. C'est ça qu'il y a là, la vie.
Et une question encore. C'est rentable, le business? C'est très bon. Merci bien. Merci à vous. Bonne suite de journée. Ouais. Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Comment allez-vous? Ouais, ça va très bien. Ok. Moi c'est Bruno de la chaîne Monsieur Yapo, vous? Moi c'est Monsieur Dro Saï Joël. Monsieur Dro. Oui. Ok. Si on vous donne 1 million, dans quoi vous allez investir? Bon, je vais investir dans achat d'accessoires de téléphone. Dans les accessoires de téléphone. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous comptez investir les 1 million, hein? Les différentes étapes, quoi vous allez acheter et tout ça? Bon, d'abord je vais faire d'abord un projet. Réaliser d'abord un projet, de voir combien je vais investir et puis en fonction des coûts que je vais dépenser, les 1 million. Ok, d'accord. Pour vous, l'activité, il est rentable, la vente d'accessoires? Oui, il est rentable, très rentable même. Puisque... Vous avez des exemples de personnes qui ont réussi là-dedans? Oui, moi-même, c'est un ami qui m'a mis dedans. Et l'ami, actuellement, nous avons fréquenté ensemble, mais actuellement, il va à l'école, mais il continue toujours dans l'activité et ça rentre beaucoup. Okay. Vu qu'aujourd'hui, les filles, chaque deux jours, mais deux semaines après, elles changent des habillages, des antichocs. Donc, ça fait que l'activité marche. Ça marche très bien. Ok, d'accord, ça marche. Merci bien. Ok, merci à vous. Et bonne suite de journée. Merci à vous également. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien. Ok, moi, c'est Bruno de la chaîne Monsieur Yapo, et vous? Moi, c'est Pépé Sophie Nadège. Ok. Si on vous donne 1 million, dans quoi vous allez investir? Si on me donne 1 million, je vais investir dans mon commerce. Dans ce que je fais, puisque je vends les produits des garçons, les secrets des garçons en tout cas, et les massages, les soudements, un peu de tout quoi. Donc si on me donne 1 million, je vais agrandir mon commerce avec, et puis au-delà de là, je vais savoir ce que je peux faire avec. Ok, mais vous allez agrandir, qu'est-ce qui vous manque actuellement que les 1 million vont venir combler? Quand vous dites agrandir, expliquez-nous, comment vous comptez agrandir votre commerce? Bon, c'est pas... Bon, actuellement, c'est... Vous allez embaucher des gens, vous allez... Actuellement, là, vous vendez dans les magasins ou bien comment vous faites? Bon, c'est pour avoir un grand magasin, rempli et embaucher des gens, un truc comme ça. Puis, faire d'autres choses au-delà de ça. Ok. Avec ce que vous vendez actuellement, vous vous en sortez bien? Ok, oui, je m'en sors bien. Par la grâce de Dieu, je m'en sors bien. Mais je veux encore... que ça soit plus grand quoi, que ça. D'accord, ça marche. Merci bien. Ok, merci à vous. Et bonne suite de journée. À vous de même. Ok, merci.